Bonjour. 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 C'est Solidaire d'abord. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, parce qu'on s'est dit que, vu la façon dont le gouvernement et les médias nous bassinent en permanence sur le fait que, bah non, circuler, il n'y a rien à voir à Gaza, c'est normal que à Gaza, ils soient complètement écrasés sous les bombes, que finalement, on leur propose un territoire qui va être, en gros, quatre fois plus petit que ce qu'il était au départ. Et ils pourront même plus coucher pour dormir. Je ne sais pas si vous voyez où on va, quoi. Même plus assez de place pour s'allonger, tu même veux dire. Même plus assez de place pour s'allonger, voilà. On va en être là. Eh bien, non, mais circuler, tout va bien. C'est parce qu'au départ, il y a eu le 7 octobre. Ben, avant le 7 octobre, il y a eu beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on a travaillé les uns les autres sur l'histoire de pourquoi ça se passe comme ça en Palestine à l'heure actuelle. Oui, comprendre. Comprendre, parce qu'au fond... je pense que beaucoup de gens, disons, sont un peu comprennent pas pourquoi ces peuples se battent depuis des années et des années qu'on n'en sort plus. Oui. Et tu disais que justement, tu as l'impression que ce conflit est tellement émouvant, tellement c'est tellement fort ce qui se passe que c'est insupportable. Pour nous, c'est insupportable et on est particulièrement touchés par ce conflit, même si les autres, évidemment, nous impactent fortement. Mais celui-là, je trouve qu'en France, on a une sensibilité particulière à ce qui se passe là-bas et je pense qu'il y a un faisceau de raisons qui explique ça. Oui, entre autres, normalement, du temps de la SDN, on a été la France et l'Angleterre, les gestionnaires de cette SDN, hein, la Société des Nations, avant, entre les guerres de 1914 et la guerre de 1940. L'ancêtre de l'ONU. Mais cet ancêtre était complètement bancal parce qu'entre autres, il était géré par ces deux empires coloniaux, la France et l'Angleterre, et on avait complètement à voir avec la gestion de ce territoire du Moyen-Orient. Et il y a eu entre autres ces accords Sykes-Picot qui se sont passés en 1916. C'était des accords soi-disant secret, où finalement l'Angleterre et la France se partageaient le territoire. Alors ce territoire du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, la Palestine, le Liban, une partie de un petit bout de la Turquie, enfin tout ça, ils se partageaient tout ça. Et il ne le disait pas officiellement, parce qu'officiellement, il disait autre chose. Est-ce que vous savez ce qu'il disait d'autres, officiellement ? Tu vas nous le dire. Tu sais bien, toi, par rapport aux Arabes, entre autres, ils avaient fait un accord. Ah oui, oui, ils ont fait un accord, donc, parce qu'il faut expliquer qu'à cette époque-là, la Palestine n'existait pas, et qu'on était sous la domination de la Turquie. Et donc les Arabes qui étaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine voulaient se débarrasser de cette domination. Et donc on avait proposé, accords de Sykes-Picot proposés. Ah non, c'est pas les accords de Sykes-Picot. Alors vas-y, explique-nous. Alors, j'ai fait un petit raccourci, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière par rapport à ces accords. Non, très bien. Alors justement, on avait promis aux Arabes que s'ils arrivaient à participer à la guerre et à nous débarrasser des Turcs, eh ben, on leur donnerait l'indépendance pour plein de territoires. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon. Mais avant tout ça, depuis déjà des siècles en Europe, il y avait un antisémitisme féroce qui s'exprimait, hein, qui est une répression extrêmement, extrêmement dure. Et les Juifs ne se sentaient en sécurité nulle part, en fait. Jusqu'à ce que... au point que... un personnage juif qui s'appelle Herzl, Théodore Herzl, écrive un livre dans lequel il imagine que les Juifs puissent enfin avoir un territoire dans lequel ils puissent vivre en paix. Oui, dans ce livre, il appelle à la création d'un État juif en Palestine. Voilà. Il fonde après un mouvement politique. Une organisation mondiale est créée et il appelle à collecter des fonds pour l'achat de terres en Palestine. En Palestine. Mmh. Et tout ça, enfin, si, imaginons dans un monde idéal que les Juifs aient été traités tout à fait normalement comme des citoyens lambda, etc. Ils n'auraient sans doute pas eu l'idée de créer un État en Palestine. Donc à la base de tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, et quand je dis problèmes, je devrais dire les drames
Il y a notre antisémitisme européen, en fait. L'antisémitisme qui a sévi ici. Moi, je ne sais pas si c'est de l'antisémitisme ou si c'est dû, en gros, à un espèce de péché originel qu'on leur colle à la peau. C'est-à-dire, c'est eux qui ont tué Jésus. Et par rapport à tous les chrétiens, hein, y a quand même un truc là qui est vachement présent. Moi, je sais que tu en parlais tout à l'heure, et moi, j'en parlerai pas mieux que toi par rapport à des gens, des curés, etc. Oui, qui... oui, j'ai une fois assisté à une messe, hein, où le prêtre, disons, avait pris vraiment position anti-juif. J'avais été très, 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 très surpris parce que. Ça me semblait complètement décalé, quoi. Même si on parle de Jésus, Jésus pour moi il est juif. Qu'enfin je vois pas de problème. Il est né en Palestine. Qu'enfin je vois pas pour comment on peut, disons, avoir la mâchoire entière contre les juifs en étant chrétien, quoi. Surtout que c'est la règle du chrétien, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Alors on en était quand même dans l'explication de tout ça en disant que on avait fait des promesses aux Arabes pour virer les Turcs. On a ces accords Sykes-Picot qui sont secrets et qui en fait ne sont pas du tout favorables à donner la part belle aux Arabes. Et puis il y a une troisième chose, c'est la déclaration Balfour. Tu avais travaillé sur la déclaration. Voilà, c'est en 1917, hein, le 2 novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, il publie une lettre ouverte dans laquelle il se dit favorable à la création d'un foyer national juif en Palestine. En pleine guerre mondiale, la Grande-Bretagne espère rallier ainsi les populations juives aux efforts de guerre. En fait, c'est ça qui les motive. Hein. C'est pour avoir l'adhésion des Juifs à leurs efforts de guerre, c'est-à-dire amener de l'argent et puis de la sympathie, quoi. Enfin, une adhésion. Donc on sent que là, tout est prêt pour qu'il y ait un clash absolument monumental. Si on résume, a fait des promesses aux Arabes, on a fait des promesses aux Juifs. Et par en dessous, on s'est dit qu'on ne tiendrait jamais tout ça. Donc évidemment, ça va faire un boom pas possible, quoi. Et ça va amener des surenchères de part et d'autre. Et on va se retrouver petit à petit à arriver jusqu'en 1947, où là, on va avoir la résolution 181 qui est prise au niveau de l'ONU pour partager le territoire entre un État arabe, un État juif et une zone internationale. Jérusalem, qui est placée sous contrôle international. Voilà. Alors, oui, par rapport à ça. Alors, pour la population juive, on peut dire que c'est un rêve de 2000 ans qui se réalise. Hein. Pour les Palestiniens qui voient leur pays presque rayé de la carte, eh ben, c'est un jour de deuil. Hein. Bien sûr, c'est la Nakba, c'est la catastrophe. Et une guerre civile éclate, et pendant 6 mois, juifs et arabes se déchirent, multipliant attentats et massacres. Parce que cette résolution 181 de l'ONU, elle est appuyée par trois pays majeurs, la France, les USA et l'URSS. Et donc, le fait qu'elle soit appuyée par ces trois puissances-là va faire que ça va être possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette création de cet État d'Israël. Cet État d'Israël qui se crée donc en mensonge complet par rapport à la parole donnée aux Arabes, qui évidemment ne sont pas d'accord. Ils vont pas participer à ce que cette résolution soit appliquée. Et donc, on va leur dire, mais vous êtes très cons. Normalement, on donnait un État arabe, un État juif, etc. Vous en voulez pas, vous l'aurez pas, votre État arabe. Donc, non seulement on les a dépossédés de leur territoire, mais à la sortie, on leur dit qu'ils sont trop cons, qu'ils ont pas participé aux négociations. Et on les fout dehors, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est le début de la première guerre israélo-arabe. Hein. L'État juif sort vainqueur. Tandis que commence l'exode de plus de 750 000 Palestiniens. 750 000 Palestiniens. Ouais, ouais. C'est pas le 7 octobre que ça s'est passé, c'est pas le 7 octobre 2024 non, que non, ça non, s'est là, passé. Non, c'est la suite du 14 mai 1948. Voilà. Et donc, avant, quand même, le terrain était, comme tu disais, Amélie, il était miné, le terrain, parce que, par exemple, en 1936, quand Léon Blum accède à être président du Conseil au moment du Front Populaire, on se retrouve avec des gens très, très sympathiques, du genre Xavier Vallat. Voilà. Qui est un Ardéchois, rappelons-le. Qui est un Ardéchois. Né à Payarès, on va quand même préciser, né à Payarès, dans le Nord Ardèche, est mort et
enterré à Payares. Donc, qui est représentant de l'extrême droite française de l'époque, tenez-vous bien, et qui, en gros, lui dit « Mais attendez, on ne peut pas donner le pouvoir à un juif, hein, quand même. On ne va pas donner le pouvoir à un juif en France. C'est pas possible. » Je crois qu'il était commissaire aux affaires juives sous Vichy. Donc, il a continué, il a persisté. Et après, il a beaucoup signé. Il a essayé de faire flinguer Blum, hein, au moment où il était conseiller. Voilà. Et il n'est pas arrivé. C'était un cas, quand même. Voilà. Alors donc c'est vrai qu'après 1948 l'URSS reconnaît Israël, donc là c'est de la géopolitique et ils font ça parce que en fait ça ils veulent lutter contre les Anglais, quoi. Ils veulent foutre les Anglais dehors du Moyen-Orient, donc ils sont d'accord à ce qu'il y ait un État d'Israël qui existe et qui foute les Anglais dehors. Voilà. Tout ça amène évidemment toutes ces révoltes palestiniennes, etc. Toute cette actualité qu'on a, parce qu'après il y a des accords d'Oslo. Enfin, à chaque fois, on les a floués, quoi. Après, il y a les accords d'Oslo entre Rabin et Arafat. En 1993, il y a Clinton qui est témoin de ça, c'est Clinton qui est à l'origine de ces accords. Mais à la sortie, il n'y aura pas du tout deux États, puisque c'était le processus d'Oslo était engagé là-dessus, hein, sur le fait qu'il y aurait création d'un État palestinien, et rien ne se passe. Et à la sortie, l'OLP qui a quand même réussi à être validé pour discuter ne veut plus qu'il y ait des attentats. Donc, il lutte contre les attentats et le Hamas se retrouve être seul en première ligne pour dire on n'est pas d'accord, et ils vont jusqu'aux attentats eux aussi. Et donc là, à la sortie, on va dire mais ces affreux Hamas sont des terroristes. Alors que depuis le départ de cette histoire, il y a tellement d'injustices superposées que... Donc là, tu es en train de... expliquer le contexte historique, Michel. Expliquer le contexte, pas du tout en train d'expliquer le drame qu'a provoqué le Hamas le 7 octobre. Tu es en train de l'expliquer, mais pas l'excuser. Pas l'excuser, voilà. Tout à fait. Voilà. Il faut le préciser par les temps qui courent, n'est-ce pas, Michel? Oui, il faut le préciser. On est complètement obligé de le préciser parce que, entre autres, on va se retrouver avec des choses absolument terribles au niveau de ce qui se passe en France. Et là, peut-être, on va écouter quelqu'un qui s'appelle Arié Halimi, qui est avocat français et qui nous dit des choses sur comment ça se passe là en ce moment. Franco-israélien. Franco-israélien. Et le sionisme s'oppose à mon identité juive et française, qui relève de l'universalisme et de l'impossibilité de concevoir qu'il y ait une inégalité, une injustice historique, l'impossibilité de concevoir que les Palestiniens ne puissent pas avoir leur terre, leur État, l'impossibilité de concevoir qu'il n'y ait pas d'autodétermination pour les Palestiniens, et donc je renonce à mon idée sioniste et à mon identité sioniste. Voilà, donc Arié Halimi dit ça, il dit que c'est pas possible, quoi. Il veut pas en faire partie, il veut pas être assimilé à cette façon de faire, et donc nous on se retrouve quand même dans un gouvernement qui a utilisé tous ces événements du 7 octobre dans un espèce de présentisme. On parle de présentisme, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'expliquer avant, le quart d'heure qui vient de se passer, ça n'existe pas. Les choses ont commencé le 7 octobre, et là, il y a eu des affreux jojos qui sont vraiment des salauds, il faut les exterminer. Et donc, ces gens-là, en plus, sont soutenus par des gauchistes. Et donc, là, la France explique que tout est possible pour lutter contre ces gauchistes. Ils n'ont plus le droit d'exister, même ces gauchistes, parce qu'ils ont tout faux, quoi. Hein? Ben oui. On ne sait plus quoi dire. Voilà. C'est tellement triste qu'on ne sait plus quoi dire. Ce qu'on peut dire sur ce passage, c'est que, évidemment, qu'on ne confond pas des décisions prises par un gouvernement à l'instant T, à la période T, à la période P, si vous voulez, et le peuple israélien. Ça n'a rien à voir. Et donc Arié Halimi, qui est un avocat donc franco-israélien, s'exprime vraiment comme l'aurait fait un de ces gauchistes qui se retrouve maintenant devant la police pour expliquer pourquoi ils soutiennent Gaza. Alors là, on va écouter Simon Hassoun du Tzedek, qui est donc un mouvement juif pour la paix. Si aujourd'hui on passe à côté du fait que la question de l'antisémitisme et son instrumentalisation est ce qui permet
au gouvernement, de mettre à l'agenda de sa politique la répression tout azimut à un niveau rarement égalé de tout le mouvement social. Ce qu'on est en train de voir, de vivre dans ce pays, et quand même au-delà de la question, et c'est ça ce qui est terrible dans l'instrumentalisation, c'est qu'on parle de lutte contre l'antisémitisme, sauf qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme. Il y a d'autres enjeux. D'accord, on utilise la lutte contre l'antisémitisme pour écraser le mouvement social, pour écraser le mouvement ouvrier. Voilà, alors c'est terrible. Il est en train de nous expliquer, ce Simon Hassoun, qu'entre autres, ben justement, l'abandon des quartiers qu'on a pu avoir, qui est patent depuis 2017, mais qui a commencé déjà avec Sarko, hein, quand justement Sarko a pris position contre les Palestiniens, entre autres, hein, parce que jusque-là, la France était un soutien des Palestiniens. À partir de Sarkozy, on se retrouve à mettre au banc de la société les Palestiniens. Et en même temps, par ailleurs, Sarko se retrouve à aller dans les quartiers et il désigne l'ennemi intérieur, en disant « Vous en avez assez, hein, vous en avez assez, on va vous en débarrasser. Hein, on va vous débarrasser. » Donc de qui ? On va vous débarrasser des Arabes. Voilà. Et donc je trouve que ça va très très loin, parce qu'on se retrouve avec une colonisation qui se passe en Israël, mais nous, à l'intérieur, on a l'impression qu'on a une recolonisation du pays, comme s'il fallait foutre dehors tous les Arabes, parce que maintenant qu'ils ont bien servi, qu'on s'est bien servi d'eux, qu'on les a utilisés pour construire les routes, qu'on les a utilisés au marteau-piqueur, etc., on va quand même pas se payer leur descendance, en plus leur permettre de faire des études en France. Vous savez que les Arabes qui ont passé des gros diplômes, qui sont très, très validés par nos différentes universités, ils se barrent, hein. Ils ne restent pas en France, parce que c'est insupportable, ce racisme présent, quoi. Et oui. Le racisme est toujours, de toute façon, insupportable, hein. Et tout à l'heure, on le disait en préparant l'émission, les jeunes Arabes qui ont fait des études, de grandes études, on peut même se demander... comment est-ce qu'ils ont pu faire de grandes études, hein, parce que lorsqu'on est dans un milieu défavorisé, où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas forcément une culture importante, on échange moins. Hein, après, on va dans ces pauvres jeunes, ils vont dans des collèges ou dans des lycées ou dans des écoles qui ont malheureusement, et on en a eu parlé dans notre émission, hein, qui ont malheureusement aucune faveur financière et pas forcément les meilleurs instits ou des instits débutants. Hein, bien, ces gens qui arrivent à faire des études, franchement, mais c'est des cas exceptionnels, parce que ils ont tout pour ne pas réussir, quoi. On leur donne aucune chance. Notre République, où il y a des citoyens égaux, elle les massacre. Hein. Et ça déjà, c'est insupportable, moi, je trouve. Pas plus. Il n'y a rien à dire. Donc, ces jeunes Arabes, ces jeunes gens issus de l'immigration arabe à l'origine, qui sont des Français comme vous ils et moi, ils ont la nationalité française. Ils sont nés ici, ils ont la nationalité française. Ils se réfugient à l'intérieur de leur quartier et brandissent la religion islam comme contre la cruauté de l'ultralibéralisme qui les déclasse partout, qui les déconsidère, quoi. Voilà, on les prend pour des sous-citoyens et c'est impossible. Un truc qui montre vraiment là, jusqu'où ça va. Quand on voit une femme voilée arabe, hein, on va dire « Oh ouais, t'as vu, elle se prend pour une sous-femme. Hein, elle est soumise, etc. Ouais. » Et nous, on se retrouve avec les valeurs des USA qui nous mettent la réforme de l'IVG en avant, en disant que bah oui, quand même, le droit à l'avortement, il faut s'en passer. Là, ouais. Les valeurs de l'Occident, les quoi. Les valeurs de l'Occident. Au secours. Ah. On va arrêter la petite musique. Et donc, je trouve que c'est dramatique, quand même, tout ça, là. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une France à deux vitesses, qu'on cautionne, et là, on va se retrouver dans un moment électoral, vous avez bien compris, qu'on est aussi en train de parler de ça, et... On va continuer à dire que cette Europe, il faut qu'elle participe à mettre les Arabes dehors. Enfin, je sais pas. Oui, surtout que si, les Arabes sont chez nous,
C'est la droite hein, quand même qui les a fait venir, il faudrait quand même le rappeler, hein, dans les années 1958-60, hein, vers la fin de la guerre d'Algérie, hein, 62 peut-être, la France était en reconstruction, hein, c'était de l'après-guerre, et il fallait tous les, disons, on avait besoin de main-d'œuvre, cruellement, hein, et ces Arabes sont venus et ont été travailleurs, et ont permis à la France de se refaire, et à la fois beaucoup de portefeuille aussi, de se refaire aussi. Ouais, tout à fait. Et moi, je vous racontais une toute petite histoire. Moi, il y a très longtemps, je travaillais au ramassage de fruits du côté d'Avignon, et je me retrouvais avec plein d'exploitants des fruits fruitiers, et ils m'expliquaient tous qu'ils votaient Front National, et donc je leur disais, mais attendez, vous votez Front National, mais vous employez des Arabes. Il y a un truc là. Ah, mais on n'est pas contre le fait qu'ils soient ici, mais on est contre le fait qu'ils aient des droits. On est contre le fait qu'ils travaillent. On n'est pas contre le fait qu'ils travaillent pour nous, mais contre le fait qu'ils aient des droits. Donc on dit les Arabes dehors, parce que comme ça, ils n'auront pas de droits. C'est insupportable à entendre. Voilà. C'est fou, quoi. On est quand même dans ce pays magnifique qu'est la France, parce que je trouve que c'est quand même le pays théoriquement des droits de l'homme au départ, et qui produit des choses pareilles, quoi. Disons, il faut redorer les droits de l'homme. Le contrat est brisé. Je veux dire, on avait un contrat républicain qui permettait à chacun de trouver sa place dans notre société. Et il est brisé tant sur le plan économique que sur le plan psychologique. Parce que quand on subit le racisme et quand on s'entend dire « rentre chez toi » alors que chez nous, c'est là... c'est très compliqué. Le contrat est brisé. Pour moi, le contrat est brisé. Ouais. Le contrat est brisé et des vies humaines sont brisées. Oui, c'est très dur. Moi, je sais que j'ai été prof, hein, donc j'ai eu des jeunes de chez nous, là, au quartier des Oliviers, que je trouvais brillants, magnifiques, des jeunes, quoi, qui partent dans la vie. Et j'en ai vu certains qui s'en sont sortis, puis d'autres qui s'en sont pas sortis. Mmh. Et c'est pas normal du tout qu'ils s'en soient pas sortis. Voilà. Et je trouve ça dur. Voilà. Alors, il y a aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, hein, mais en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. C'est quelque part, c'est cet État qui est là, qui continue à faire la sourde oreille. Un État dominant. Un État dominant. Voilà. On est dans un colonialisme libéral qui est à l'excès, quoi. Et c'est complètement fou. Il y a eu des accords qui se sont passés il y a 40 ans pour essayer de rendre les choses possibles avec les Kanaks. Et là, Macron est en train de tout casser. Alors, tu voulais parler de cette loi Oui. Mais en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que avec cette nouvelle loi, Macron vient, changer les règles du jeu en plein pendant le processus. Et donc, il était convenu qu'il y aurait trois référendums pour que la population puisse s'autodéterminer sur oui ou non, on reste français ou pas, ou on devient indépendant. Ce qui était convenu, c'était que le corps électoral qui pouvait voter pour ce référendum était constitué de Kanaks et non pas de colons. Et ce que fait Macron avec cette nouvelle loi, c'est qu'il introduit dans le corps électoral tous les colons qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc c'est une entorse grave à ce qui avait été convenu, après de multiples drames et après des négociations qui ont été très difficiles. Donc là, on ne comprend pas pourquoi... Oui, surtout que ce sont des gens qui ne sont pas directement concernés par l'indépendance qu'il fait entrer. Tout à fait. Les nouveaux qui viennent entrer, c'est pas leur problème, hein. Alors que c'est le problème des Kanaks. On change les règles du jeu, hein, c'est ça que tu disais. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est frustrant et ça pousse à la révolte. Et ça, c'est après des siècles de maltraitance de la population. Hein. On ne va pas rentrer maintenant dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Et je pense que Macron ne fera pas demi-tour, hein, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas dans son éducation, c'est pas dans ses gènes, et on va aller vers une extrême violence. Il faudrait qu'il retire ce texte. Il faudrait vraiment qu'il retire ce texte. Il ne le retirera pas. C'est un têtu.
Voilà, et en plus, ce que tu disais, Alain, c'est qu'il y a aussi le nickel qui est en jeu. Et en plus, il y a le nickel. Voilà. C'est vraiment pas nickel, cette histoire. Ouais, ouais. Et on est allé leur piquer le nickel, voilà. Et là, maintenant, il n'est pas question qu'ils se réapproprient le nickel. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le nickel dans le sous-sol, je ne sais pas s'il nous aurait autant intéressés. Tout à fait. Allez, à bientôt. Au revoir.